Je sais pas du tout comment va être prise cette vidéo, mais franchement j'en ai rien à foutre parce que vraiment je m'éclate à faire ce tournage. Je suis vraiment éclatée de voir à quel point vous avez joué le jeu, donc franchement juste pour ça vraiment merci putain. Salut mes frelons. Oui, vous avez bien vu le titre de la vidéo. Alors pour vous replacer dans le contexte, parce que croyez-le ou non, il y a un contexte à cette vidéo. Alors il y a à peu près 2 mois a eu lieu un live absolument incroyable sur ma chaîne. Alors oui, j'ai dû faire 2-3 lives pendant la longue pause que j'ai prise, et ce live en particulier était tout simplement incroyable. C'est un live que j'ai fait uniquement avec les gens du Discord, donc c'était un live en non répertorié, donc on était vraiment en petit comité. Et alors, à la base j'étais vraiment partie pour aller une heure et demie de petit live chill, et au final on a passé 3h30 de pur délire. Alors, on dit que les absents ont toujours tort, il est vrai, mais pour ceux qui n'ont pas assisté au live, j'ai fait un petit best-of. Voilà, j'ai vraiment pris les meilleurs moments de ces 3h30 de live. Donc si vous voulez voir le best-of, il y aura un lien qui redirigera vers cette vidéo à la fin de celle-ci. Parce que voilà, la vidéo d'aujourd'hui et ce best-of sont indéniablement liés. Sans ce live, il n'y aurait pas cette vidéo. Et voilà en fait. Le contexte étant maintenant posé, hein, comme vous l'avez lu en titre de vidéo, aujourd'hui je vais réagir au frigo de mes abonnés. Pas n'importe quels abonnés, parce que c'est un petit peu la crème de la crème, dont un spécial guest, je sais pas si on peut dire ça comme ça, mais une personne absolument incroyable dans ma vie, mon beatmaker, il a envoyé son frigo. Donc je vais regarder sa vidéo en premier parce qu'en plus il m'a fait la plus longue. Voilà, on va commencer par la vidéo de mon alter ego, aka mon beatmaker, aka Wise Minority. Gros big up à toi ma vie, si tu regardes cette vidéo, et je sais que tu la regardes, bordel de merde. Je sais pas si c'est ouais l'état dans lequel je suis, j'ai même pas commencé à regarder les vidéos, je suis déjà mort de rire parce que cette vidéo, je me suis tellement retenue de regarder les vidéos, vous voyez, m'envoyer les mails avec vos pièces jointes. D'ailleurs, un grand merci, voilà, je profite là de l'euphorie de ce début de vidéo, vraiment un grand merci à tous les participants. Vous êtes incroyables d'avoir joué le jeu, mais vraiment c'est un truc de malade, vous êtes... Gros kiss sur vous. Allez, je vais pas vous faire patienter plus longtemps et je ne vais pas me faire patienter plus longtemps non plus. On va commencer avec la première vidéo, le premier frigo. Je précise aussi que je n'ai pas vu les vidéos, alors je vais les découvrir avec vous en live pendant ce tournage. J'ai très hâte. J'ai très très hâte. Perfect. Donc avant de commencer, je tiens à dire qu'on a une vignette de qualité. Ceci est un magnète. Donc un magnète de merde posé sur le truc, et ça bien sûr parce qu'on est de la team ananas, et des bananes dans ton cul pour finir parce que c'est très important. Sur ce, donc on va commencer la visite. Ici tout en haut on a une merveilleuse surprise, hein. Ça c'est un pot de mayonnaise que des enculés qui sont venus me voir au mois de juillet m'ont laissé à la maison parce que je ne mange pas cette merde évidemment. Ça c'est la même, donc ça c'est pour les faibles, ils prennent des trucs industriels, c'est un gel de merde. Tu bois ça et c'est censé te donner de la force hein, quand t'es un gros fragile. Tu peux aussi être un homme et courir normalement avec de l'eau. C'est chacun son truc, hein. Évidemment on juge pas, mais quand même, bordel. Juste en dessous on a de la sauce Nyokpam qui est périmée, faut le savoir. Elle est périmée pas pour une raison particulière, hein. C'est-à-dire que je la garde parce que des fois il y a des connards qui se mettent en dessous de mon balcon avec de la musique ouverte, les fenêtres ouvertes, etc. Et ils cassent les couilles, donc moi je les repeins avec ça. Et ça guérit bien, donc ça guérit bien les cons, je vous recommande, surtout en été, ça, c'est une odeur pestilentielle, le mec repart content. Okay. Ici on a de l'ail noir, donc c'est de l'ail noir, je vous explique, c'est le secret de longévité des habitants d'Okinawa, à ce qui paraît. Hein. Donc moi, à ce qui paraît, je le prends aussi. Ça se tient, oui. On continue la visite, donc ici on a du piment asiatique dans ton cul, parce que la fameuse marque DTC. Ça c'est de l'huile de coco, c'est la meilleure huile qu'il faut pour les fritures. Faut le savoir, ça, l'huile d'olive n'est pas faite pour monter en température, mais vous l'utilisez quand même parce que vous êtes des cons, voilà. Ici, ça ce sont des carottes dans ton cul, bien sûr,
hein, donc tout est dans ton cul, si, hein, faut le savoir. Ici, on a des olives dans ton cul, voilà. Ensuite, on va taper, oui, je sais, le frigo est dégueulasse, vous voyez là, ça, c'est le, ça s'appelle le célibat, voilà. Cet autoclash, ma gueule. Putain, donc, on est même pas à la moitié de la vidéo, mais le level de ce frigo déjà. Les autres qui vont passer après, ça va être dur. Ça, c'est... Oh, comment ça s'appelle en français déjà? J'ai oublié, nique sa mère. Ah, le problème de bilingue. Ça, c'est un poivron. Je sais ce que c'est. Alors ici, on a masse sa mère, la pute de concombre, parce que c'est l'été et qu'on adore ça dans les shakers. Ça, c'est de la banane bien noire que je garde au frais, parce qu'il faut pas qu'elle devienne trop noire non plus. On n'est pas raciste, mais quand même. Il y a des limites à la noirceur. Donc, je crois ici, que je n'ai jamais vu un frigo avec autant de verdure. C'est complètement con, je sais. C'est un commentaire absolument nul. Mais voilà, il fallait que je le dise. Pour le cœur et pour les articulations et tout ça. Les couilles, hein, je dis n'importe quoi, mais c'est très bon pour la santé, quoi qu'il arrive. Donc voilà, ceci est une betterave dans ton cul. C'est la même marque encore que les carottes, vous avez remarqué. Derrière, c'est un céleri dans ton cul en boule. En boule, hein, parce que voilà, patate douce dans ton cul. Oui, j'aime beaucoup cette marque, hein, donc j'achète tout chez eux. Ici, c'est du poulet fermier, parce que ça, c'est la base de l'alimentation de l'alpha, faut le savoir. Il faut manger des animaux, c'est très important de ne pas être vegan. Hein. Ou alors, seulement à 80%. Tout le reste, ça doit être des animaux, parce qu'on aime les animaux. Comment niquer un espace commentaire en une phrase? Perfect. Est-ce qu'on fait le congélateur? Oui. Là, ce sont des glaçons, c'est exceptionnel, je sais. Ici, on a des piments tunisiens. Ça, c'est pareil, c'est des piments dans ton cul. Ça peut marcher très bien. Ici, je sais pas ce que c'est un truc congelé qu'on a oublié là. Un jour, peut-être, quand ce sera la guerre et qu'il n'y aura plus d'électricité, on mangera. Oh, la gueule du truc. Essayez de deviner dans les commentaires ce que ça pourrait bien être. Donc ça, ce sont des piments africains cette fois-ci. Piments africains dans ton cul, je précise, c'est toujours la même marque. Hein. Ils sont assez violents. Ce sont des piments de forain, quoi. Ce sont des raisins secs. Je sais même pas pourquoi j'ai congelé des raisins secs, mais voilà, grâce à la vidéo, je sais maintenant que j'ai des raisins secs congelés. Merci à vous. Et bah de rien. Écoutez, ce sera tout pour la visite. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Allez, faut reculer. Bonne journée. Okay. Sur ces belles paroles, on va passer au frigo suivant. Mais avant, voilà, j'ai eu l'idée pendant le visionnage de ce frigo, on va pas se mentir, de très haute qualité. Je n'en attendais pas moins de toi. Vraiment, tu ne m'as absolument pas déçu avec ce frigo. Gros kiss sur ton crâne luisant. TMTC. Il m'est venu une petite idée en visionnant cette première vidéo. Je vais non seulement réagir, mais aussi noter vos frigos. Donc pour Wise, on va partir déjà sur un 9 sur 10. Voilà, bon, il y a peut-être un petit peu de favoritisme parce que voilà, Wise Minority, c'est pas seulement mon beatmaker, c'est aussi mon alter ego, mi frelon, ma vie. Voilà, toi-même tu sais, nanani. Nanana, petit PD. Donc moi je pars sur un 9 sur 10 pour le frigo de Wise. N'hésitez pas à vous aussi noter les frigos en commentaire. Voilà, je suis aussi curieuse de voir quelle note vous pourriez bien mettre à des putains de frigos, bordel. Allez, sans transition, passons maintenant au deuxième frigo, le frigo de frelon numéro 23. Comment je crève la dalle? Quoi vous faites? Ouais. Y'a rien de bien bon. Je comprends rien. Je vais faire l'affaire. Je crois que il y a des choses qui ne s'expliquent pas. Et cette vidéo en fait partie. C'est tellement private joke du Discord cette vidéo. Bon, on va passer à la note de ce frigo. Hein, pour la créativité frelon numéro 23. Oui, parce que je vous nomme par vos pseudo Discord. Hein. Vous vous reconnaîtrez de toute façon. La bonne grosse bise à toi frelon numéro 23. Et je te mets à toi aussi la note de 9 sur 10 pour ce frigo. Parce que je salue la créativité. Comment tu as dû te faire chier à dessiner des aubergines, à les découper et à les disposer dans ton frigo. Mais juste pour ça, tu mérites cette honorable note. Vraiment, pour moi c'est un 9 sur 10, frelon numéro 23. La bonne grosse bise à toi. Vraiment, merci de ta participation. Frigo suivant.
Hashtag Donald Trump. Alors, frigo très simple. Voilà, il n'y avait pas grand chose dedans. Bon, moi je ne vais pas juger la contenance du frigo. On n'est pas là-dessus. C'est pas le frigo le plus rempli qui a la meilleure note. Alors, pour le petit placement de produit Herta, moi je vais être transparente avec mes abonnés. Si Herta veut me contacter pour faire un placement de produit, moi j'aime énormément leurs produits. Donc, il n'y a aucun problème avec ça. Le hashtag Donald Trump, je ne sais pas si c'était un message. D'ailleurs, en commentaire, on va être complètement con, hein, mais les bouteilles de lait comme ça avec le bouchon bleu, ça me rappelle tellement chez mes darons, genre comment je buvais à balle du lait avec du Nesquik, c'était incroyable. Voilà, c'est une petite nostalgie que tu m'as fait ressentir par ton frigo, Guador. Je te donne l'honorable note de 7 sur 10. À mon sens, tu aurais pu détailler un petit peu plus ton frigo, mais tu m'as fait ressentir diverses émotions. Un beau 7 sur 10 pour toi, Guador. Et encore, merci de ta participation. La bonne grosse bise à toi. Frigo suivant. Alors déjà, dès le début, là, on est en plein dans le délire du Discord. Quoi. C'est oh, tout n'est que tromperie production. Avec l'orthographe et tout. Oh my god. Ça s'annonce très très bien pour ce frigo. On continue. Les mousses liégeoises, je valide. Déso, pas déso. Ouais. Malheureusement, moi, je n'en ai pas chez moi. Ouais. Oh là là, les fromages! Bien mes abonnés, bordel de merde, ça les gens, ce putain de doigt du milieu. Alors voilà, pour les gens qui ne connaissent pas Grumpy au sein du Discord, c'est Grumpy. Grumpy, en fait, tu te présentes au travers de ton frigo. C'est un truc de ouf. C'est... Tu es ton frigo. Montre-moi ton frigo, je te dirai qui tu es. Ah, ça pourrait être pas mal en titre de vidéo, ça. À quoi j'y t'ai ? Grumpy. Magnifique frigo. Vraiment, je te mets la note de 8 sur 10. Pour ce frigo. Tu as réussi à te décrire à travers ton frigo. C'est un truc de ouf. C'était vraiment hyper bien fait. Puis j'ai beaucoup aimé les petits post-it, hashtag FitGirl, mon précieux. C'était vachement bien. Donc tu repars avec un 8 sur 10. Et puis évidemment, bonne grosse bise de ma part. On passe maintenant au frigo de Let's Be Cruel. Sachant ta localisation géographique, j'ai beaucoup d'attentes. Par rapport à ton frigo, donc... D'ailleurs, il y a le mien qui est en train de faire du bruit à l'heure actuelle. Ok, c'est parti. C'est un frigo sans un mot. Tu n'as pas fait de commentaire sur ton frigo. C'est un choix artistique que je respecte. Un très beau frigo, très garni. J'ai vu qu'il y avait des confitures bonne maman. Alors, on a retrouvé encore les fameuses aubergines. Le petit clin de Discord, ça franchement, vous avez été ouf de faire ça. Je sais pas si c'est vraiment parce que vous mangez des aubergines quotidiennement, du coup vous en avez dans votre frigo, ou si vous les avez vraiment achetées exprès pour le tournage. Mais en tout cas,
Ton frigo était vraiment très propre. Et la fin était tout simplement... Tu bois de la Thonon. Tu vis dans la région de Thonon. Alors juste pour ça, je te mets un 9. Je te mets un 9 sur 10, tout simplement parce que tu bois de la Thonon. C'est une raison valable. Oui, c'est une raison valable, ok? Je ne dois pas vous rendre des comptes non plus, j'ai mes critères de notation. D'accord? Si vous avez de la Thonon dans votre frigo, vous êtes sûr d'avoir minimum 8. Frigo suivant! On passe maintenant au frigo de la fameuse Krusty, El Famoso Krusty, et ton rire absolument magnifique. Rire que vous pouvez entendre dans le best-of du live. Voilà, je le pose ça comme ça. Donc Krusty, voyons maintenant ton frigo. Krusty nous a montré son frigo. Voilà, c'était simple, clair. C'était une petite de frigo quoi en fait, genre. J'adore Wise Minority qui nous décrit pendant 7 putains de minutes son frigo. Et Krusty qui se casse pas le cul. Et tu as eu raison de pas te casser le cul parce que je vous ai demandé quand même de faire une vidéo de frigo, bordel de merde. Je vous ai demandé de filmer vos frigos. Mais depuis que je suis revenue, ma chaîne, c'est n'importe quoi en fait. Ma foi, c'était un frigo très bien rangé. Des bonnes choses dedans aussi. De toute façon, quand on parle de bouffe, hein, moi je suis rarement difficile. Il faut le savoir. Mais voilà, Krusty, petite vidéo de 8 secondes. Tu t'en sors avec un 7 sur 10. Voilà, hein, c'est très honorable, un 7 sur 10 pour une vidéo de frigo. Voilà ma Krusty, évidemment, la bonne grosse bise à toi aussi. Et merci de ta participation. On passe maintenant au frigo de Emeline. Emeline qui est une frelonne de la première heure, je le sais. Et gros big up à toi. On va voir tout de suite ton frigo. C'est parti. C'est pas parce que vous avez pas grand chose dans votre frigo que vous perdez des points sur la note. Je préfère le redire. Merci Emeline pour ce magnifique frigo. Alors il y a peut-être pas grand chose dans ce frigo, mais moi j'ai remarqué que quand même Emeline mange relativement santé. Parce que il y avait des carottes, putain. Des carottes. Ok, il y avait des carottes dans son frigo. Emeline, tu as pris en vidéo ton frigo. Alors vraiment, juste pour ça. Juste pour ça, déjà, je te fais un putain de merci parce que tu as joué le jeu. En tout cas, voilà, Emeline, je te mets la note de 7 sur 10 pour ton frigo. Parce que tu manges santé. J'ai vu que tu avais des carottes et des cornichons. Donc, tu repars avec la note de 7. Je te fais la bonne grosse bise, évidemment. On passe maintenant au frigo de la magnifique BV, a.k.a. l'émoticône ananas sur le Discord. Tu te reconnaîtras bien, évidemment. Voyons ensemble ton frigo. Coucou Anna, alors voici mon What's in my fridge. On n'a pas encore fait les courses, donc ça va être à moitié vide, mais c'est pour savoir ce qu'il faut acheter justement. Donc ça part sur un petit checking hein, des courses à faire du frigo, hein, très bien, il n'y a aucun problème. Comme je l'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas parce que votre frigo est vide que vous perdez des points. Voilà, je dis sans rigolant, mais putain, mais comment vous voulez être sérieux devant des frigos, bordel de... La suite. Oh putain de merde. Mais c'est du sérieux, mais...
Mais comment tu t'es cassé le cul avec la musique et tout? Putain, le bandeau à la tortue ninja, la cape! T'as même dessiné une... Mais oh my god, Jesus, mais c'est... C'est incroyable, mais je m'y attendais tellement pas, moi j'étais en mode genre, on part sur un petit checking de frigo, calme. Meuf. Meuf, niveau créativité là, mais tu as tout défoncé. Mais alors là, franchement, tu mérites un putain de 10. Là. On part sur quelque chose d'incroyable. Mais alors là, se casser le cul à ce point sur une vidéo de frigo, qui est quand même, je le précise, hein, partie d'un délire complètement pété pendant live, meuf, c'est absolument incroyable. Franchement, best vidéo de frigo ever. Je suis outrée de la qualité de cette vidéo. Merci d'avoir pris ton temps pour me faire cette vidéo. Elle est incroyable. La bonne grosse bise sur toi. On passe maintenant à l'avant-dernier frigo, le frigo de la sublime Nep. Alors Nep, je sais déjà que je vais adorer ta vidéo. Vous allez comprendre tout de suite pourquoi. C'est tellement chou. Nous avons, je ne sais pas quoi, je n'ai pas trop envie de savoir, de la malbouffe, des yaourts, une chose, des bouteilles, qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi on m'a tout passé? Des crêpes. Des boîtes et des machins, de la moutarde de Dijon pour rester dans le cliché. Ici nous avons du fromage blanc, je crois que personne n'en mange, c'est scandaleux. Et plus bof, de la soupe. Alors que dire sur ton frigo, ma petite Nep? Oh mon dieu! Cette voix, oh, c'est tellement dingue. Moi, je suis fan de ta voix, vraiment. Alors, ma petite Nep, détrompe-toi parce que je mange moi aussi du fromage blanc. J'aime beaucoup ça, hein, avec des petits muesliers dedans, hein, petite recette qui n'en est pas une. Alors, pour revenir à ton frigo, c'était un beau frigo. Hein, oui, oui, il y a des beaux frigos. Moi, j'ai trouvé que c'était un très beau frigo, très garni, hein, énormément de choses. Il y avait des crêpes, El Famoso réserve secrète de Kinder au fond du frigo. Ça intéresse, tu vois, là il y a quelque chose qui se passe. L'ensemble était vraiment très propre pour un frigo, donc je pars sur un 9 sur 10. Et je vais conclure, évidemment, en te faisant la bonne grosse bise et en te remerciant infiniment pour ta participation. La bonne bise, ma petite Nep. Alors là, je me prépare psychologiquement au prochain frigo parce que, connaissant son auteur, hein, El Famoso Plex du Discord, Plex qui est également un frelon extrêmement fidèle à la chaîne, je sais que tu es là depuis les débuts, mon petit Plex. Et ça fait extrêmement plaisir de voir que toi aussi, tu as participé à la vidéo des frigos. D'ailleurs, je tiens aussi à préciser que cette vidéo des frigos est en partie grâce à Plex, parce que sur le Discord, il faut savoir qu'on s'était tapé un petit délire au détour d'une conversation sur le frigo de Plex. Et c'est sur ce frigo, sur lequel on a tant déliré pendant des mois et des mois, que nous nous apprêtons aujourd'hui à regarder. C'est parti pour le frigo de Plex. Bon, on skip. Dans mon frigo, il n'y a jamais rien. On va voir ça. Ah. Ah! Aubergine quand même, hein. Mascotte du Discord. Petite pub pour le Discord. Des bières, parce qu'il faut toujours en avoir. Un peu d'eau, du placement de produit. Pulco tolérance, toi-même tu sais m'amène.
Tulco, tolérance. Ensuite, Non, c'est pas moi ça. Des œufs, ok. Ouais, les plus bons, ça. Ça se voit. Et n'oubliez pas que tout n'est que ton prix. La bise. Mais Plex! Comment j'étais en apnée pendant toute la vidéo, j'osais pas respirer. Putain Plex, je sais juste pas par où commencer, il y a tellement de choses à expliquer dans cette vidéo. Alors tout d'abord, je pense que Plex va m'en tenir rigueur, mais je ne veux pas créer de vieux dramas de merde parce que je sais à quel point sur internet, sur YouTube, tout ce que vous voulez, les gens font des dramas de n'importe quoi. Donc j'ai choisi de flouter la tête de la personne sur la photo des frigos. Parce qu'en fait, je vais vous expliquer le délire. Il est connu que je suis une admiratrice inconditionnelle de Mister JT. Voilà, c'est la première fois que j'en parle comme ça en vidéo. Enfin, j'ai déjà dit lors d'une FAQ à quel point j'aimais ce vidéaste, mais là voilà, il va falloir faire une petite mise au point. C'est une vidéo de dossier en fait, cette vidéo se retourne littéralement contre moi, c'est absolument scandaleux. Ta gueule toi. Perfect. Sachant cela, Plex a trouvé rigolo d'imprimer des photos de Mister JD, donc avec Monsieur Connard, donc c'est pour ça qu'on voit seulement Monsieur Connard, et a remplacé le visage de Mister JD par un autre youtubeur dont je ne citerai pas le nom parce que comme je disais tout à l'heure, je ne veux pas faire de vieux dramas de merde, que même si je ne le porte pas dans mon cœur, dans le sens que je ne regarde absolument pas ses vidéos, je m'en beurre littéralement la raie de ce qu'il peut faire sur sa chaîne ou quoi. J'en ai rien à foutre. Donc voilà, vous l'embonnez, Plex a remplacé le visage du Mister JD par des photos de ce youtubeur, pour vous expliquer le début de la vidéo du coup. Ensuite dans la vidéo, on a El Famoso Aubergine, voilà l'aubergine, vous aurez compris que c'était le symbole. Quel symbole bordel. Le symbole du Discord. Voilà voilà, je ne ferai pas de commentaire sur la fin de la vidéo. Plex, je ne peux pas te donner de notes. Je peux pas noter ce frigo, c'est... Tu es complètement hors catégorie, c'est... T'as niqué le game là. Tu as niqué le game. Mais moi je ne peux pas noter un tel frigo. C'est trop une attaque personnelle en fait. Franchement, il était absolument parfait pour cette vidéo parce que les clins d'œil que tu m'as fait, bon, tu m'as énormément fait chier dans cette vidéo, mais c'était incroyable. Merci à toi mon Plex. Ça fait plaisir de voir que tu as toi aussi joué le jeu, putain de merde. Je sais vraiment pas comment cette vidéo va être accueillie par les gens extérieurs au Discord, mais j'espère vraiment que ça vous aura fait marrer aussi de voir ce délire qu'on a vraiment entre potes, parce que grâce à la chaîne, grâce à vous qui me suivez, je me suis vraiment fait des amis au sein de ma communauté. Il y a vraiment des gens avec qui j'ai une putain d'affinité, avec qui je suis vraiment hyper proche. On a vraiment tissé des liens forts, je pense particulièrement à toi, Voice Minority, mon alter ego. Si j'avais pas lancé ma chaîne, je pense qu'on ne se serait jamais connus. D'ailleurs, la petite histoire de comment on s'est rencontrés est dans le best-of du live. Oui, je place les petites pubs pour cette vidéo parce que vraiment, allez la regarder. Je me suis vraiment beaucoup marrée à faire ce best-of. Et du coup, je disais quoi ? Perfect. On va clore cette vidéo là-dessus. Vidéo qui, je pense, sera très longue. Parce que vu le temps de tournage, j'ai dû recharger deux fois la batterie. Voilà. Avant de se quitter, petite précision aussi, sachez que la photo en fond de la vidéo nous vient d'une abonnée aussi, d'une petite frelonne, Koupika, du Discord également, qui est aussi une guest du Best of du live, qui m'a gentiment pris cette photo pour la vidéo des frigos. Donc franchement, pareil, un grand merci à toi et la bonne grosse bise. Ça fait extrêmement plaisir. Et la bonne bise à ton lapin aussi qui a été utilisée pour cette photo. En tout cas, encore un grand merci à tous les participants. Je pense que c'est le tournage sur lequel je me suis le plus amusée jusqu'à présent. Et ça, je vous le dois vraiment. Merci d'avoir joué le jeu. Merci pour votre folie. Merci pour votre créativité. Merci. Merci d'être vous, putain, mes frelons. Vous êtes
Vous êtes les bestes. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Et encore une fois, la bonne bise.